suite des péripéties, en espérant que je parvienne à me détendre. Dire que j'ai un traitement médical pour calmer mes nerfs, voilà où j'en arrive. Mickey se barrer. Merde. Quand j'arrête de faire usage de mes jumelles, qui se pointent l'autre. Thank you.
plus. Ouais. Ça va pas. Mais normalement c'est un robot, alors attends, je vais faire un test. Oui c'est ça, c'est un robot. Ouais, putain, mais il est pas dans ça. Oh merde. C'est pas visé. Thank you.
the trail. Parce que ça me fait un loustic en moins dans les pattes. Merde, j'ai pas l'impression qu'il est. Intruder, I'm dealing with. Don't worry, we'll find him. Target in sight. Give yourself up. We have the authority. Target's gone. Area looks clean. Contact. Proceeding as discussed. Pourquoi mon arme n'est-elle pas rechargée?
il n'aurait point eu l'occasion de tirer. Mais j'ai une touche pour recharger mon flingue ou pas? Non, c'est pas R pour recharger, c'est dommage. On est d'accord que si je fais ça... Je perds le succès. Ah non, apparemment je l'ai déjà perdu. Ah bon? Je croyais que j'avais tué personne. Bah merde alors. Hein, je suis déçu. Je pensais que j'avais aucun homicide à ma charge. Bah, à partir de quel moment j'ai perdu le succès? Oh merde, je suis émis en dehors du cadre et j'ai perdu l'artefact. Oh là, j'ai pas vu, mon édredon est dégueulasse. Mais attends, j'ai un truc qui va pas, c'est... Mais ouais, encore que... Ah, info cube, image, Walton Simmons. Oh, j'ai gagné un portrait de leur patron. Sérieux. Ah, pas un portrait. Sa conception. Putain. Ça vaut du lourd. Ouais, autant dire, le mec c'est un Terminator, c'est un char d'assaut sur pattes, c'est l'horreur quoi. C'est l'horreur. Attends, qu'est-ce que j'ai vu? Ah non, c'est la lumière. Voilà, c'est encore un autre jeu de... C'est un autre jeu de combat.
lui. Voici le graphique de dissection de Grasset que vous m'avez demandé de Taverne. Je le dirai un peu plus tard. C'est gentil. Note de la boue du docteur Moreau, semaine 12 au 18-4. Dimanche 12 avril, les comptes de l'Abnet sont désactivés. La rumeur d'une possible tentative d'infiltration de silhouette entraîne la reprogrammation de la sécurité du système. Je prendrai des notes à la main jusqu'à ce que l'accès ait été rétabli. Lundi 12 avril, les Gressel ne cachent pas leur forte empathie pour le personnel du labo. Informé, le docteur Verne, qui a passé la dose de succinylcholine de 15 cc à 32 cc. Mercredi 15 avril, les services secrets assurent que l'accès au compte de l'Abnet sera rétabli vendredi. Le nouveau login est Demoro et le mot de passe Raptor. Jeudi 16 avril, le docteur Kerins a fait preuve d'une grande distraction. Il a oublié d'enfiler sa combinaison de protection avant de s'approcher d'un Gressel et a reçu une dose de venin sur le visage. Opportunité fortuite d'étudier les effets sur le système nerveux humain, notamment les différences visuelles et de coordination de mouvement. Le con. Autant dire qu'il a voulu se suicider, quoi, les mecs. Don't worry, no one here is going to call the guards. Ouais, bah les gardes sont neutralisés. Alors. Ah, j'ai un choix. Système de défense agressive ou un espieur. Alors, la défense agressive. Ça se passe au niveau de la tête, d'accord. Des nanoparticules en aérosol sont vaporisées lorsque sont détectés les objets correspondant au profil électromagnétique des missiles ou des grenades. Ces nanoparticules entraînent l'explosion prématurée de ces objets avant que ceux-ci n'atteignent l'agent. Espieur. Alors, des nano-usines sophistiquées peuvent assembler à la demande d'un espieur télécommandé par l'agent jusqu'à ce qu'il soit lâché ou détruit pour être immédiatement remplacé par un nouvel engin qui sera alors fabriqué. Des amplifications permettent de doter les espieurs d'un blindage plus efficace ainsi que d'un projectile à impulsion électromagnétique. J'ai pas compris, c'est un drone qui sort de ma bouche là, leur truc ou quoi? Choix difficile, j'ai des drones que je sors de la bouche carrément, là c'est un truc de fou. Ou alors je neutralise les explosifs à distance. Je serais tenté de faire l'espieur. Ouais, ça me l'air d'être vachement cool. I'm gonna get it.
oui, c'est pour arriver là, ouais. Oui, c'est un peu cucu la praline. Enfin, c'est une approche possible, mais... C'est rigolo d'être là. J'ai gagné un grenade à fumeau que j'ai déjà. J'ai déjà en trop. Out there is in serious trouble. Definitely somebody. Hey, that's him. Ouais, j'arrête le fait de les neutraliser parce qu'apparemment j'ai perdu le succès de tuer personne. Tant pis. J'ai peut-être perdu en libérant trop tôt le terroriste de la NSF. C'est quoi ça? Tough SOB. Sergeant, company. That's one down. Check the area. Impressionnant là que j'ai vu. Son of a. Merde, oh, il arrive à me trucider avec une aisance déconcertante. Au moins c'est bien, il me change les idées, j'en ai besoin. Is he odd? Who the hell? That was one tough SOB. Mais il est chiant de Mickey. Okay, let's do the paperwork on this one. Ouais, là pour le coup, j'ai pas de... Whoever's out there is in serious. Watch yourself. That's one down. Check the area. Au début, j'y suis parvenu, puis maintenant, j'ai l'impression que l'IA s'affine à chaque
à chaque essai. L'effet que ça me fait. Je pense pas être devenu plus mauvais. Oh my god, it's Denton. Remember the briefing. He's dead. Let's try to get an ID. Alors je fais une zage de lacrymo pour m'en sortir parce que... Attends, c'est quoi ça? Ah bah je préfère que ce soit l'arbalète. Mais ouais, je fais une zage de lacrymo, tant pis. Puis là ils me foutent la paix. Son of a... Watch yourself! This one's some kind of mech. Qu'à le dire, je passe à la vitesse supérieure. Qu'elle va m'agresser. Ah si. Merde. Oh, ce meurtre. Where'd he go? Watch yourself. This one's some kind of mech. Anyone else hungry? Guy in a coat. I'm checking it out. Alors, Captain Hernandez, nous avons initié le processus de la veille de la grille de sécurité afin de programmer une protection supplémentaire contre les possibles intrusions. Je souhaite que le processus soit achevé tous les ordinateurs de sécurité et un système secondaire provisoire. MJ-12 invaders. Dans l'autre immobilité. Hey, stop right there! Ça a l'air de fonctionner.
pense avoir laissé les bêtes suffisamment longtemps faire un carnage. Attends, je vais éviter de courir, moi, on sait jamais. This one's some kind of mech. Watch it, he hasn't gone far. Check your aim for the head. Anyone else hungry? Je croyais que j'avais libéré les bestiaux. À quoi correspond le bouton? Je comprends pas. Hello? Whoever's out there is in serious trouble. Bogey, that's him. It's dead. C'est ça? Ah, ils ont buté les bestiaux. En fait, ma tige ne servait à rien. One tough SOB. Oh, je pensais que ça allait faire plus de carnage, mais ils sont à chier les... Oh merde, j'ai tout le boulot à me taper. Bonjour paresse, comme disait François Sagan. I'm in the middle of something. Ah oui, ça se voit que t'as plein boulot. Non mais sérieusement, faut que j'aille chercher l'artillerie lourde là. Hey, find somewhere else to hide. Allez vous cacher ailleurs. Je vais chercher un pistolet mitrailleur. Joli. Alors, il me faut du 2x2. Ok. Si je le prends, j'ai combien? J'en ai beaucoup apparemment. J'en ai beaucoup, beaucoup, beaucoup. Quand je tire. D'accord. C'est intéressant. Fort.
j'ai un troll qui s'est fait descendre. C'est incroyable. Je viens de tracer le portrait du chien sur le mur avec les balles, là c'est pas le même. Je l'ai jamais touché. Ça n'a pas de sens. Voilà. 10 balles de tirer un clébard en main. Bug, j'étais derrière un mur. Où est la logique? Thank you.
passe. Thank you.
Is that you? Watch yourself! This one's some kind of mess. Incroyable. Anyone else hungry? Did anybody else hear something? Anyone else hungry? Faut que je lui tire à la tête, c'est horrible, hein, mais... Leurs armures sont excellentes. Who's there? Sur les gâchettes. Et je pose une petite grenade, je fais un carnage. C'est même pas la peine. Do the paperwork on this one. Okay.
7 accréditations, nominations, 5 F uniquement. L'objectif du projet D-Book, la construction de l'appareil à un système de tête. This one's some kind of mech. Anyone else hungry? Bon, la logique veut que je fasse le tour avant que je me mette peinard à extraire les données. Je vais me faire avoir comme un bleu. Remember the police. C'est vrai que c'est tellement plus jouissif d'être létal au final, c'est triste, hein, mais... Oh my god, he escaped? Alors, prospectus, agent de série B, proposition du docteur Arthur Donovan, VersaLife HK. Ah oui, là on voit le lien avec VersaLife. Les agents de la série B constituent la suite logique des recherches découlant de la série N. Concerne la conception d'un agent humain doté des capacités améliorées et étant d'une loyauté absolue sans pour autant présenter des modifications mécaniques ni l'imprévisibilité inhérente aux nanomodifications. À l'instar des séries N, la force et la rapidité des séries P devaient être largement au-dessus de la moyenne, tandis que des nouvelles techniques, le conditionnement entraînant une moindre réaction à la douleur. Point. Dans une certaine mesure, nous prévoir qu'un agent de série B sera plus efficace 70% lors des combats que des éléments non modifiés. Les caractéristiques fondamentales des agents de série N, y compris le mécanisme d'autodestruction, seront conservées. La mécanique d'autodestruction est une ingénieuse variation du mot tueur. Quoi ? Les caractéristiques fondamentales des agents de série N, y compris le mécanisme
d'autodestruction seront conservés. Le mécanisme d'autodestruction est une ingénieuse variation du mot tueur implanté dans le système nerveux autonome de l'agent. Lorsque celui-ci est mortellement blessé, le mécanisme s'active et explose, éliminant ainsi toute trace de l'agent et blessant tout ennemi se tenant à proximité. Cependant, nous continuons à essayer d'isoler la source de l'aspect albinos présente depuis la série L, mais nous semblons avoir réglé ce problème grâce à des lunettes de soleil et des vêtements sombres. D'accord. Infocube, examen péré chirurgical, sujet Paul Danton. Sujet montre un certain nombre de déviations de la ligne physiologique normale et notamment une absence de protéines hémoglobine epsilon de type H, sans doute liée à sa capacité à tolérer les nanomodifications normalement rejetées par la grande majorité des autres sujets. Il est particulièrement intéressant de constater que le sujet, bien que déclaré positif au test de la peste grise, n'en présente encore aucun des symptômes. Ah, il avait contracté la peste grise, le frangin. Merde, il était condamné. All images sent to Tracer Tom. Objective complete. Now exit the facility. The code to the exit door is 1125. 1125. Merci beaucoup. Ah si, je sais où est-ce qu'on est. Shouldn't be back here. Ouais, moi ce qui m'intrigue, je sais pas si je vais sortir tout de suite parce que est-ce que j'ai toutes les infos? J'aurais aimé avoir des infos sur sur Gunther et la Anna qui me les brise là. Oh tiens, j'avais pas lu ça. Et l'objectif donc du projet D-Buck, la construction d'un appareil à système rotatif aux possibilités d'intervention variées et disposant d'une grande autonomie, c'est réalisé parfaitement avec la mise au point de l'hélico-furtif SH-187. Ce modèle est équipé d'une part d'un moteur de conception révolutionnaire, propulsé par des batteries de kérosétanol qui le font bénéficier d'une autonomie de plus ou moins 9000 miles en fonction des conditions atmosphériques, et d'autre part d'une extension des technologies d'armure acceptables qui le rendent invisible à 97% au système de détection électromagnétique. Idéalement conçu pour les missions de surveillance, d'insertion, de récupération et d'interdiction limitée, le SH-187 passera une partie de son existence au-dessus des territoires hostiles ou ennemis, où il est donc équipé de télédésactiveurs et de brouilleurs pour ses principaux systèmes de vol. Enfin, si besoin est, l'appareil peut être télédétruit. Oh bah putain. Bref, le machin il est insaisissable. J'ai soif. Le dernier mail était intéressant. DELM Wood à Dr Moreau. Sujet bioévaluation. Dr Moreau, afin de pouvoir achever ma bioévaluation, je vous demande à nouveau de transcrire les résultats de vos analyses de la toxicité du venin de gratte-ciel sur la culture neurotoxine de carquin que je vous ai précédemment fait parvenir. Ce retard de votre part pourrait être considéré comme un certain manque d'enthousiasme pour nos recherches. Sincèrement, Dr Elm Wood. Thank you.
Oh. Who's there? Aim for the head. J'ai même pas vu. Check the area. J'avais même pas vu que c'était un endroit que j'avais pas visité. Attends, je me fais une petite pause relaxation. Won't get far. They've locked the doors. Oh my god. He escaped? Data vault image sent to Tracer Tom. Objective complete. Now exit the facility. The code to the exit door is 1125. You shouldn't be back here. Pas avec le frangin, adieu. J'avais lu ça ou pas, je sais plus. Attends. Je reprends par principe, voilà, dans la vidéo, j'ai les mails à lire. Ah, eux, j'avais peut-être pas fouillé, je crois. Si, ah, si.
non, c'est un photocopieur, c'est pas un robot de mon trésor, mais c'est ça. Ah, ils ont bien ça, ils sont sympas aux gens. Excitation à... à déverrouiller, pistolet, je m'en fous, les clubs, je m'en fous. Puis d'ailleurs, des trucs sur les lits. C'est obligé. Oh, sympa! Il m'a fait peur ce con. Ah mais c'est strictement parallèle là, c'est pas croyable. Qu'il y a de la résistance, ça veut dire que si je prends le fusil plasma et que je tire dans les armoires, j'ouvre le bordel ou pas? Parce que j'ai peut-être tout à y gagner à faire ça, moi. Je me demande si je ferais pas bien d'essayer. Bon, déjà, je vais essayer au pistolet des mitrailleurs, mais à mon avis, ça ne sert à rien. C'est pas une explosion, pistolet mitrailleur. Ouais. C'est ça, c'est pas une explosion. Désactiver les systèmes parce que ça finit par me courir sur le haricot là.
Quoi? Pourquoi c'est fermé? Pas 11,82 là. C'est l'armurerie, je sais plus. 80-38. C'est leur prototype là de plasma. J'en ai fait quoi? Je l'ai balancé en bas? Qu'est-ce que j'ai fait? Ah oui, le voilà. Merde, je vais devoir aller aux toilettes. J'ai les intestins qui me travaillent. C'est énorme la place que ça prend. En espérant que ma théorie soit valable, on va essayer. Bon, je me fais une petite pause, je vais aller aux toilettes. Mais là, je vais couper l'enregistrement.